Donc le club a été fondé en 1981, ça fait une quarantaine d'années que nous sommes présents sur la commune de Ménilmontigny. Ça a été un club qui a toujours été familial et traditionnel. On a eu des périodes hautes et des périodes basses, hein. On est monté jusqu'à 150 licenciés. Quand j'ai repris le club, on était sur le point, on n'avait plus de professeurs. C'était en 1998, parce que j'ai été président d'eux pour une partie de 98 à 99, où j'ai repris le club avec des judokas, parce qu'on n'avait plus de professeur, donc on a cherché un professeur. On a trouvé Christian Doué, qui est le frère de l'actuel, Eric Douet, et on a remonté, on était 54. Donc après, on a fait notre record 4-5 ans après à 154. Après, on a stagné. Stagné, c'est pas mal hein, pour un club comme le nôtre, entre 100 et 110. Bon, après, on a eu des périodes un peu plus difficiles, 90, et puis l'année dernière, 60, avec la pandémie. Par contre, là, vu l'entrée, les premiers cours et le monde que je vois, je pense que ça peut être une bonne année. Et ça permet quoi, en fait, le pré-baby? C'est pour se préparer à la pratique du judo ensuite? C'est comme ensuite le baby, oui. C'est tout ce qui est activité motrice, même un peu... encadrer les enfants pour qu'ils suivent, pour qu'ils apprennent, vers 7 ans, ils apprennent vraiment le judo. On a le baby, les 7-8 ans, et les plus de 8 ans, et après les adultes. Donc le taïso, c'est une activité, en fait c'est tout ce qui est préparation musculaire, échauffement, étirement, pour en fait l'échauffement avant le judo. Et on fait que ça en fait pour la pratique. Pour les gens qui veulent pas faire du judo, mais qui veulent avoir une activité autre. Comment vous avez vécu au niveau du club la pandémie justement? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez craint pour les saisons qui allaient suivre? Oui, ça a été difficile parce qu'on a eu des coupures importantes. Hein. Il faut savoir que nous, on a un professeur qui est rémunéré, qui est déclaré, donc quoi qu'il arrive, on a des charges fixes qui sont là. Donc on a eu peur, on a douté, mais grâce à mon secrétaire qui a fait le nécessaire, comme je l'ai dit à l'Assemblée Générale, qui a fait beaucoup, qui a fait des recherches et tout ça, on a pu réussir à terminer l'année, on doit être à moins 30, moins 40, donc c'est très bien, et en plus on a réussi à mettre des aides de l'État de côté. Qui nous permettent de voir l'avenir un peu plus sereinement.